Bonjour, mon nom est Serge Laporte de Cuisine et Racines. Bienvenue encore une fois à Bouffe de Chum, où on met le plaisir à un autre niveau. Aujourd'hui, des bouchées de pizza. Ladies and gentlemen, are you ready? Incroyable. Qu'est-ce qu'il faut? Une friteuse ou un wok. Dans mon cas, je prends un wok toujours. Par la suite, différents ingrédients. J'ai des pâtes à egg roll. J'ai du pepperoni, j'ai une sauce spaghetti, peu importe celle que vous voulez avoir. Donc, vous pouvez prendre marinara, vous pouvez prendre arrabbiata. Dans mon cas, moi ici, je vais utiliser des champignons, des oignons, origan, basilic, fromage mozzarella. Vous pouvez prendre aussi des ficellos. Si vous avez des jeunes enfants, c'est intéressant. Et je vais badigeonner avec un œuf pour que ça soit bien collé. Je prends pour commencer une feuille de pâte d'egg roll. Je vais mettre un peu de sauce spaghetti. Juste pour mettre une petite chose. Deux morceaux de pepperoni. Un bâtonnet de fromage. J'utilise des épices qui me tentent. J'ai origan basilic. Faites attention si vous prenez des épices italiennes. La seule différence qu'il y a entre origan basilic pour l'italienne, on rajoute du thym. Si vous en mettez trop, ça risque d'être fort un petit peu en gorge. Ça ne sera pas fort comme du piment. Ça a juste un goût bizarre en gorge. Donc, je mets juste une petite pincée de chacun. Ça, c'est à son choix, c'est ici. Ça peut être juste une des deux. Les deux, peu importe, il n'y a pas de problème. Un petit peu de champignons. Très peu. Je vais être capable quand même de le fermer. Et un petit peu d'oignon. Bon, si ça me tente de mettre du poivron vert, poivron rouge, en petit dé, pas de problème. Si ça me tente de mettre de l'ail, pas de problème. L'échalote, pas de problème non plus, c'est à votre goût. Je vous montre simplement une base. Après ça, ça va être votre recette à vous qui va primer. Donc, je ferme le tout. Donc, je vais fermer les côtés pour commencer. Et par la suite, je vais rabattre par-dessus. Je vais fermer ici. Excusez mon terme de cuisine, je vais mettre une lichette d'œuf, tout simplement, et je vais fermer. Première bouchée de pizza est faite. Je vous en fais un autre. Donc, je ne mets pas le carré en avant de moi, je vais faire un triangle avec, ici, je vais mettre en pointe. Je mets un petit peu de ma sauce tomate préférée. C'est quelque chose que vous avez fait, c'est quelque chose en canne, une sauce à pizza chez le marchand. On s'en fout, c'est pas grave. Je vais mettre deux morceaux de pepperoni. Si vous avez des plus gros morceaux de pepperoni, vous pouvez les couper, il n'y a aucun problème. Vous organisez toujours pour que ça puisse fermer. Morceau de fromage. Épices, dans mon cas ici, origan basilic, très très peu. Ça veut dire que c'est très goûteux. Un petit peu de champignons, très peu, je veux que ça ferme. Je rabats les côtés sur mon fromage. Je vais plier ici et je vais mettre un petit peu d'œuf battu pour que ça puisse se fermer comme il faut. Et je referme le tout. Mon deuxième. Pour une question de sécurité, on fait attention avec un wok. C'est très versant. Si on a des jeunes qui tirent ou quelque chose comme ça, si on a beaucoup de monde, les gens peuvent frapper ça. Donc, vous êtes peut-être mieux avec une friteuse. Dans notre cas ici, moi, j'aime beaucoup le wok pour différentes raisons de cuisson. Friteuse, c'est quelque chose de différent, mais le wok, pour moi, fait l'affaire. Mais une friteuse, c'est supérieur quand vous avez beaucoup de monde. Vous avez terminé vos rouleaux et on les met tout simplement dans la friteuse ou dans le wok. Température de l'huile, 350 degrés. On prend le temps de prendre le degré de notre huile, sinon l'huile va tout rentrer à l'intérieur. Si c'est trop chaud, vous risquez d'avoir un bouillon, vous risquez que l'huile rentre à l'intérieur, fasse sortir
tout ce que vous avez mis à l'intérieur de vos bouchées. Qu'est-ce qu'on entend là? C'est bien souvent le liquide qui sort des champignons, mais c'est en train de cuire. Donc de l'eau avec de l'huile, c'est ça que ça fait. Ça fait. Bon, maintenant c'est terminé, prêt à manger. On peut se faire tout simplement pour accompagner une recette de sauce chaude, comme une sauce à spaghetti par exemple, qu'on pourrait tremper dedans. On peut les manger tel quel. On peut manger ça aussi avec une vinaigrette. Ça peut être avec une sauce fromagée, par exemple, pour devenir intéressant. Vous avez aimé la recette? Cliquez sur le pouce. Vous pouvez nous suivre Cuisine et Racine sur tous les réseaux sociaux, sans exception. Mettez vos commentaires dans le bas. Posez-nous vos questions. On va vous répondre, c'est sûr. Merci. À la prochaine.